n'arrivera pas. Sur personne, des CAP en agriculture et aussi un grand nombre d'adultes, puisque la maison familiale accueille autant d'adultes que de jeunes. Sur un mois, les métiers de l'agriculture, cours d'informatique avec Gérard Varieux, tous les mardis après-midi. L'entreprise qui s'occupe de cette formation-là. Voilà. On accueille aussi des exploitants agricoles qui sont venus se former sur le certificat phyto par rapport aux produits phytosanitaires. On a accueilli trois groupes cette année. Et puis... Maxime Guizot, je suis passé par mine, je suis en train de c'est Lionel Brosselot, le marron. Florian Dorichon, d'Aiguillon-sur-Mer, et je suis en stage à Gru chez Monsieur Barry. Je m'appelle Nicolas Hurto, je suis à Villamou de Saint-Martin, je suis en stage chez Bernard Chaudet. Je m'appelle Louis Pinobino, je suis cuisseur, je suis en stage à Aubusseau, William. Aubusseau, je suis chez William Compli. Je m'appelle Moreau Jardel et j'habite à Montcoutant et je suis en stage chez Aubugnon. Un métier de la petite enfance, de la personne ménagée, de l'animation. Et j'appelle les deux garçons et les filles de sœur. J'ai tendance à dire les filles, mais il y a deux garçons dans cette classe. J'ai 17 ans, je fais mon stage à une école maternelle à Manivelle. Et j'habite à Saint-Pierre-de-Dieu. Je m'appelle Célie, j'ai 17 ans, je suis en stage à Saint-Martin-de-Prégnaux, au centre de Noisy. Et j'habite à Bénin. Je m'appelle Emmanuel, je suis en maison de retraite à Chalon-Lave et j'habite au Sabin. Je m'appelle Megan Rowe, j'ai 17 ans, j'habite à Saint-Martin-de-Frégnaux et je fais mon stage en école maternelle à Saint-Martin-de-Frégnaux. Je m'appelle Charlène Aubien, j'ai 16 ans, je fais mon stage en école maternelle et j'habite à Saint-Travégan. Je m'appelle Elodie, j'ai 18 ans. J'habite à Benay, je fais mon stage à l'école maternelle à Benay. Je m'appelle Elodie, j'ai 16 ans, je fais mon stage à l'école maternelle à Contenay. Et tu habites? J'habite à Saint-Pierre. Je m'appelle Rosane, j'ai 15 ans, j'habite à Contenay, je suis à l'école Je m'appelle Mégane, j'ai 15 ans, j'habite à Vitre, je suis à l'Épatelie. Je m'appelle Stéphanie, j'ai 16 ans, je suis en stage. Au fil d'un jour, je vis comme je veux. Je m'appelle Elisa, j'ai 16 ans, j'habite à Rogel, je suis à la crèche depuis le bureau. Je m'appelle Pauline, j'ai 15 ans et je suis en stage à la crèche à la plus bureau. Je m'appelle Lola, j'ai 17 ans, j'habite à Rogel et je suis en stage à l'école de leur vie. Non. Je m'appelle Kimberly, j'ai 16 ans, j'habite à Montpellier de Comte. Non. Je m'appelle Kenny, j'ai 16 ans. Je travaille en centre loisir. Et puis voilà. J'habite à Surfer, à côté de Je m'appelle Alexis, j'ai 16 ans. J'habite à Chanel, je fais mon stage. Je suis à la maison de retraite d'Angers. Qui nous permet de créer des liens et de mieux se connaître. On s'amuse, on crée une bonne ambiance qui nous permet d'avoir de bons échanges. On parle plus et on se confie plus à l'internat que la journée. Le soir, c'est notre moment, on se retrouve pour se décontracter, c'est le plus de la vie. Ces soirées sont faites avant tout pour s'amuser, prendre le livre et être ensemble. Cela crée la solidarité entre nous. Cela nous revient en clair, on se transmet nos idées, on apprend à s'engager. Les délais nous motivent et nous aident à prendre confiance en nous. Les maîtres de stage s'intéressent à nous et nous informent des formations de leur métier. Ils nous aident à évoluer et à grandir en nous accompagnant à notre vie. Merci pour l'écoute qu'ils nous offrent, pour le temps qu'ils nous donnent. À la MFR, l'équipe nous motive et nous pousse à nous dépasser. Ils nous écoutent
prennent le temps, le conseil sur le choix. On se connaît plutôt bien, nos relations sont proches, c'est mieux, c'est plus convivial. À la maison, on raconte nos journées de stage à notre famille. C'est plus intéressant, nos parents nous comprennent mieux, on parle travail ensemble. Nous comprenons aussi pourquoi c'est possible d'être fatigué après une journée de travail. Merci à nos parents pour supporter nos humeurs à certains moments, pour l'aide dans la recherche des stages et dans nos ressources. L'expérience nous apporte cette logique, la maturité, la prise de responsabilité, la confiance en long terme. On se sent équipé dans les projets à la NSR sur mon 60e. L'expérience nous permet de faire nos choix pour notre famille et notre vie. Voilà, vous avez à vous dire bravo. Hein? Bon, ben, je crois que c'est l'heure de prendre la parole.